Il y a eu hier soir des violences urbaines que je voudrais évidemment ici condamner. Il y a eu très concentré dans les Hauts-de-Seine, un peu en Île-de-France, un petit peu en province, 31 interpellations par les services de police. Je sais pas si ça peut. Anto, rentre chez toi. Il y a eu 24 policiers blessés. Tous dans la zone de la préfecture de police de Paris, une quarantaine de véhicules brûlés, une mairie annexe à Mantes-la-Jolie au Val-Fouret qui a été incendiée. Quand un jeune homme meurt dans des conditions comme celle-là, l'émotion est normale. Si évidemment les policiers et les gendarmes font un travail absolument formidable tous les jours, qui sont eux-mêmes victimes de refus d'obtempérer. J'ai moi-même enterré beaucoup de policiers et de gendarmes parce que des chauffards les avaient renversés. Je veux dire ici qu'en aucun cas, un geste comme celui qu'on a vu, si jamais l'enquête devait confirmer les vidéos que nous avons vues, ne se justifie.